Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Alors là où je suis en ce moment, ça s'appelle le lit de ville. Lit de ville dans le Colorado. Pourquoi je suis là en ce moment? Tout simplement parce que je suis bloquée. J'essaie toujours d'aller à Aspen et de me diriger vers l'Arizona. Et ça fait quelques jours que je subis toute cette galère. C'est incontrôlable. Donc pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que je n'ai pas le choix. J'ai dormi à cet endroit-ci, au bord de la route comme ça, parce que je ne pouvais plus avancer. À 18h, il fait très très noir et c'est glissant. Je ne pouvais même pas entrer à Aspen. Je pense que je suis à environ 40 miles de Aspen, mais c'est impossible pour moi d'entrer à Aspen. Je ne sais pas si vous voyez les conditions climatiques qu'il y a en ce lieu. Donc je suis un peu coincée, je ne peux pas avancer. Je suis restée ici depuis plusieurs jours. J'ai essayé de m'en sortir, mais je n'arrivais pas. La neige me bloque et m'empêche d'avancer. Donc ça, c'est ma situation actuelle. Elle est catastrophique. Oui, voilà, nous sommes dans le Colorado et la neige nous a brusquement attachés. Mais parfois, comme vous savez, dans le Colorado, il peut faire 90 degrés, 100 degrés une journée. Le lendemain, c'est ça, ce que vous êtes en train de voir maintenant. Donc je suis là, comme vous me voyez, sale et tout blanc, entouré par ce paysage tout en blanc. Depuis toute la nuit où j'ai passé la nuit, c'est pourquoi c'est important d'être armé en camping-car et de se protéger parce qu'on peut parfois être obligé de s'arrêter même où on ne peut pas. Voilà, Christian dort encore et là, il n'y a pas de propane qui marche tout simplement parce que tout est gelé. Mes batteries sont complètement hors service depuis parce que trop de froid, voilà, tout est gelé. Il n'y a pas de possibilité d'avancer. Donc ici, c'est Leadville dans le Colorado et vous avez bien vu hier, j'ai été bloqué à Indépendance passe, le 87, j'étais seulement à quelques miles, je pense 25 ou moins de 25 miles de. Je pense que j'étais à peu près entre 20 et 15 miles de Aspen. Indépendance passe était fermée et je me suis retrouvé face à cette barrière, ne pouvant même pas faire marche arrière parce que je n'avais pas de marge pour faire marche arrière. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû attendre de l'aide en marchant. J'ai marché presque 2 heures pour essayer d'atteindre la première maison pour avoir des gens qui me transportent et m'amener dans une. On va dire dans un bureau de gens qui déneigent la route et de là donc je pouvais appeler le shérif ou alors de l'aide. Alors c'est finalement le shérif parce que nous sommes dans les petites villes, c'est le shérif qui est venu et qui m'a aidé en me guidant à sortir. Voilà. Et il n'y a pas de connexion à ces endroits. Quand vous vous retrouvez à ces endroits, il n'y a pas du tout de connexion. Vous êtes obligé de faire avec. Donc je suis ici coincé depuis plusieurs jours. Essayant de sortir et partir en Arizona, c'est impossible, totalement impossible. Voilà, suivez-moi dans cette aventure qui devient carrément gothique, carrément thriller. Mais voilà. Bienvenue sur Road Trip Camping Car. Donc vous voyez, on est en train de quitter Leadville dans le Colorado. On essaie toujours de rejoindre Aspen. Voilà, donc on espère que si on arrive à Aspen, on pourrait y passer quelques jours, ne serait-ce que deux minimum. De toute façon, ils annoncent des fortes neiges, des temps énormes entre aujourd'hui et jeudi. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on reste minimum jusqu'à vendredi, jusqu'à jeudi quoi, à Aspen. Mais déjà, le plus grand challenge, ce serait d'accéder à Aspen. Si vous avez vous êtes rendu compte, ça fait plus de 4 jours qu'on essaie d'accéder à Aspen. Normalement, ça nous aurait fait que 3 heures, 4 heures de route maximum. Mais là, ça fait 3 jours. On n'est toujours pas... C'est pas évident, voilà. Est-ce que je peux sortir par là? J'espère que je ne vais pas être coincé ici. Turn left on West 2nd Street, then turn left. Et là, j'essaie de me mettre. La station n'a pas trop de. Ouf. C'est à peine que je suis passé quoi. J'essaie de mettre l'essence en fait. Bon, on est en train de sortir de Leadville là. Leadville, la vieille ville. C'est Leadville tout en blanc avec un peu de boue. Voilà, ça fait blanc sale comme ça avec après la neige. Alors, ils annoncent encore des fortes neiges. Cette nuit, demain nuit. Aujourd'hui, la forte neige. Demain, la forte neige. Voilà, il nous faut les bottes comme la fille là.
Donc on trouve un magasin de thrift store pour l'acheter, quoi, pour les acheter. On était en train de chercher à Woodland Park. D'arriver à Aspen, parce que j'ai une obligation d'être à Aspen. J'ai un rendez-vous important sur Aspen. Et après Aspen, on commence à prendre la route pour aller vers l'Arizona. Et oui, nous sommes en train de sortir de Leadville dans le Colorado et on s'est dirigé vers Aspen. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir cette vue magnifique. C'est magnifique. Leadville dans le Colorado. Thank you.
Comme vous voyez, nous sommes à Frisco, dans le Colorado, pas très loin de la station de ski Breckenridge, toujours dans le Colorado. Voilà, on s'est arrêté ici parce qu'on n'a pas pu atterrir, on n'a pas pu aller directement à Aspen. Donc moi, j'ai cherché une banque pour résoudre mes petites transactions. Parce que Aspen, au lieu de 36 km où on était, le détour nous a fait presque 3 heures. Donc on n'est même pas encore à Aspen. Ça fait presque 4 jours qu'on essaie de rejoindre Aspen et qu'on n'arrive pas. Et comme vous êtes en train de regarder, il commence de nouveau à neiger. La neige est de nouveau au rendez-vous. Ici, la neige, c'est tout le temps. Tu filmes ou quoi? Oui. C'est qui s'appelle Thrift Store. C'est, je pense que c'est Thrift, c'est quelque chose. Intrusion. Voilà, Thrift Intrusion. On essaie de trouver des bottes de neige, des bottes d'hiver, imperméables, bien fourrées dedans. Mais on essaie de trouver ça avec les marques. Sans flot. Parce que quand vous les achetez en marque, dans les magasins Thrift Store, cela a déjà été utilisé, mais parfois, comme vous êtes dans les quartiers chics ici, vous êtes dans les stations de ski luxueux. Alors, quand on est dans les stations de ski luxueuses, on peut trouver des chaussures qui ont été portées juste une fois ou deux, et de très très bonne qualité, de haut de gamme. Et c'est où le magasin? Achetez ça à bas prix, donc c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Donc on est à Frisco, dans le Colorado. Et notre but. Let it go. Regarde les chaussures de neige. Chasing a bitch. What you do? Don't let go. Chasing a bitch. What you do? C'est la viens. Attention, ça glisse. Attention, ça ne glisse pas. Presque dans une. On va demander où il y a la librairie et on pourra peut-être aller chercher nos affaires. Voilà la librairie. Papa, il est dans une zone chaude. Don't let go. Chasing a bitch. What you do? Don't go.
State 70 all the way to Glenwood Springs, and then Highway 82. 70 until Glenwood Springs was so beautiful. Yeah, it is very pretty. Mm-hmm. So I-70 to Glenwood Springs, and then this is... Je vous dis à bientôt.